Bon, ben, je crois qu'on va lancer le PVC. Je te laisse, Daniel. Je viens de lancer la vidéo. À tout de suite en séquence, Daniel. Ok, c'est le chameau que tu entends derrière. Je lui file le PSP, je lance le PVC. Je te reprends tout de suite en séquence. À tout de suite, Daniel. Voilà, ça y est, c'est parti. J'ai entendu du monde, je ne sais plus quoi dire, j'arrive plus à aligner trois mots. Quoi. Mais 21351, les stations en fréquence de la part de Nandi 33. Ça y est, c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors on est le vendredi 4 mars 2016. Il est 21h. Alors tout à l'heure, un peu avant le QSO, il y a Belphégor qui s'est signalé derrière. Il est toujours en attente là derrière que le QSO commence. Il y a Daniel Senteur qui est sur Martignas en principe. Là qui est Martignas sur Jal. Normalement là dans le fin fond derrière. Toi chameau là maintenant dans le QSO. Eh ben c'est bien parti. Chameau, tu as les 2073-51 justement de Daniel Senteur, justement là que je viens d'avoir là au 600 là à l'instant. il commençait déjà à piétiner d'impatience. Alors, retour Senteur, si tu es derrière, puisque tu es le premier arrivé dans le QSO. Et c'est Daniel qui se signale. Attends. Oui, Daniel, les 2073, Senteur, les 2073-51 là, il y a eu un break là, je crois que c'est pareil, que je suis sur le hauteur justement, Daniel, j'espère que je suis en module personnel. Eh ben si, il est en train de parler, Daniel. Attends. Ok, Daniel, voilà, les bandes sont 13-51 retournées. Chameau a du mal à t'entendre. Par contre, il est sur les hauteurs. Vu comment il m'arrive, il ne doit pas être très loin de chez moi. Et apparemment, il y a un petit peu de propague là ce soir, puisqu'il a dû certainement entendre, je crois que c'est Cédric de la région parisienne, si j'ai bien compris. Retour chameau, et bien le QSO démarre sur les chapeaux de roue là ce soir. Retour chameau, et puis normalement en suivant on devrait avoir Eric là qui est en attente derrière. Belphégor qu'on verra, qu'on retrouvera certainement après. Oui, à toi chameau, les 2013. Ah, les 2013-51 là, donc du coup, à Dundee, les 2013-51 là, à Belphégor. Que j'entends bien d'ailleurs. Voilà, j'ai eu un break là de Paris là, si je me trompe pas, ouais. Parce que j'ai mal entendu là, il y avait du monde derrière, voilà. Si vous pouvez répéter là, la station là, de Paris. Département 92. Les 2073 de l'opérateur Foro 14 ODR 007 QRV de Chameau, les 2073
Marina. Oui, la station Marina. Ah, j'ai pas entendu là. Le 273, l'opérateur Foron, QRZ de Chambon, indicatif 14ODR007. Le 273, à vous la station. Aussi 14 ODR 027. Je salue tout le monde, voilà, je salue Chameau, Rémi, Sigor, je ne sais plus qui j'oublie, Daniel, Santor qui est là aussi, et puis j'ai eu d'autres prestations apparemment, voilà, mais je n'entends pas, donc 73 c'est égalité à vous tous, et je retourne le micro à Rémi, vas-y à toi, Denis. Ok, eh bien, j'ai jamais vu ça, toi. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. J'ai fait mon lancement. Non, là, même pas. Le QSO a commencé. Je suis arrivé après. J'ai fait le lancement du QSO et c'est parti direct sur les chapeaux de roue. Et on a à nouveau le département 92. De mémoire, je crois que c'est Cédric, si je me souviens bien. De toute façon, je vais vite le voir. Cédric, voilà, c'est ça. Ok, ouais, je crois, je pense que c'est lui. Bonsoir la Belgique, à l'écoute de... attends, c'est qui ça? Je sais pas, bon, je verrai bien. De toute façon, je retrouverai dans les précédents QSO, il n'y a pas de problème. Donc, oui, voilà, t'as loupé personne. Il y a Belfigor qui est en arrière, là, qui doit attendre de rentrer. Il a fait une petite apparition vers 20h30. Voilà, j'étais en train de faire chauffer la station. Il y a Senteur Daniel qui est arrivé à 20h45, je l'ai entendu derrière, je l'ai eu juste quelques minutes avant au 600, donc il s'est un petit peu entendu, bon ça, il passe très très QRP là de mon côté, bon ben Chameau 33, ok, voilà, ouais, mais là t'as oublié personne, retour à toi Eric. Qui s'est manifesté là, vous êtes sur modulé tous les deux là. Voilà, si la station veut revenir, en avant. Voilà la station qui parlait en même temps que lui là. On va voir la station pour l'opérateur Eric et l'opérateur Florent. Non, mais c'est pas toi Florent, j'ai entendu l'autre voix, l'autre station là qui parlait qui arrivait très fort et. C'est à parler en même temps que Rémi, donc la station aussi veut bien revenir. J'ai entendu aussi Eric, hein. Bon, oui, tant pis. Ouais, bon, s'il reprend pas, c'est qu'on devine qui c'est, hein. Non, c'est la station que je connais pas ce rôle, hein. D'accord, ok. Bon, ben comme quoi, je me suis trompé, ok, d'accord, pas de problème. À moins que ça soit, c'est peut-être Belfigor qui a fait, je sais pas, retour, vas-y Belfigor, prends le micro. Retour à Belfigor. Bah oui, attends, je comprends pas. Attends, je réactualise sur le chat parce que ça m'a déconnecté. Alors attends. Non mais vas-y, reprends Chameau, t'es bien placé, t'entends tout le monde. Je réponds à Bifagor là pour voir ça. Ok, 92 est toujours là. Ouais, j'ai entendu l'autre voix, Eric, celui qui est dans le 92, là, son nom c'est quoi déjà? Oui, je suis toujours là, hein. Ok Eric. Ouais, je crois que si, voilà, c'est me revoilà. Je crois que ça doit être Cédric, il me semble, quelque chose comme ça, là, sur le 92. Alors attends, que je regarde. J'ai pas encore supprimé le QSO là où on a eu tout le monde.
Alors, le samedi 20, donc, vous voyez un petit peu, n'importe quoi, supprimé, n'importe quoi. Je les garde, bien entendu. Alors, Laurent, Florent, Philippe, Eric, Sylvain, Léa, Jean-Marie, Claudie, Denis, David, je relâche le micro là, puisque là je suis en train d'épeler tout le monde, je suis en train de monopoliser la fréquence alors que des EM veulent certainement rentrer en QSO. Ok, l'opérateur Florent, là pour l'opérateur David du 92, si je ne me trompe pas, David. Ok, Belfleur, t'es là? Bah, apparemment non plus, Jean-Paul, es-tu là? Bon, mais Eric, alors, vas-y, attends, Eric. Moi, en tout cas, je suis impatient là, de 92, là, j'arrête pas d'en parler à ma femme, pire qu'un bébé, quoi. J'ai presque pas les pieds par terre, mais presque, quoi. Il me tarde, ben, voilà. Comment je passe là de ton côté, Eric, sachant que j'ai changé la pile là, de mon micro, là? Comment je passe de ton côté, Eric? Bonjour, fréquence. Oui, la station, là. Bonjour, fréquence, bonsoir, tout le monde. Oui, bonsoir, 14 Victor Echo 27, Eric Bordeaux, bonjour. 73 Eric, 14 au téléphone Mike Hervé, Northland, Titouille, bonsoir. Ok, 73, voilà, je suis accompagné de le plein de stations pour le QSO national, voilà. Et je retourne le micro à Rémi, vas-y. Ok, merci. Les bandes sont 13-14, hôtel Alpha Mike. J'ai pas eu le temps de prendre les numéros de la part de l'ensemble du groupe. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas entendu. Voilà, c'est très simple. C'est bien sympa de te compter parmi nous. Et ça tombe bien parce que ce soir, on a l'intention justement de parler un petit peu de ce qui s'organise pour samedi prochain. Voilà. Et donc là, ça tombe très bien. Retour de micro, 14 Hôtel Alpha Mike. 14 Hôtel Alpha Mike, 04 Victor Hervé. Donc voilà, oui, tu es une discussion le matin avec Marie Riquidor. Et puis bon, mes amis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par le rôle, je me suis libéré, moi je suis mort, je suis peut-être actuellement un petit peu trop bon, mais on s'arrange au fur et à mesure qu'on avance. Dundee 33, Rémi, il y a Daniel Santor, il y a 14 ODR 007, Florent, pardon, et je ne sais pas qui j'oublie encore, voilà, il n'y a pas de souci. Allez, retour, je vais retourner le micro à Daniel, Daniel Santor, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu un peu, Daniel. Enregistré, Belfegor. Thank you.
le sors vraiment à peine, c'est très très QRP de mon côté. Est-ce que tu peux me faire le QSP, Eric, si le message s'adressait à moi, bien entendu. La station qui a briqué en avant. Belle figure, est-ce que c'est toi qui a briqué? Il y a 10 fantômes ce soir. Non, mais là, il y a la station qui est juste après moi, là, qui a, où j'ai dit que j'avais enregistré. Si elle veut se remanifester, la station, à l'avant. Bon, mais tant pis, là, on l'appelle. Et la station à l'avant. De mon côté, là, les 2651, là, de l'ensemble du groupe, là, pour le QSO national du vendredi soir, là, voilà. S'il y en a qui veulent briquer, qu'ils ont qu'à briquer. Bon, à toi, Denis. Ok, d'accord. Bon, alors, ouais, ok. Donc là, attends, par où on va commencer? Au niveau de Facebook, Eric, j'ai remis en avant l'annonce là, pour Radio Brock. Voilà, comme ça, ceux qui ne l'ont pas encore vu le redécouvrent à nouveau là, ce soir, ce week-end. Donc, ça, une semaine avant, comme ça, ça leur permet déjà de pouvoir voir un petit peu de leur côté s'ils veulent venir. Alors donc, nous, toi, Chameau, moi, plus deux autres stations, on va le samedi matin, il faut que je regarde à peu près le trajet. Quoi. Le samedi matin, on va tous, nous, on va se suivre en convoi, je vais y arriver. On va tous se suivre en convoi jusqu'à Bordeaux, jusqu'à la première station essence qu'on trouve là sur la droite, dès qu'on a passé le pont là, François Mitterrand. Tu sais, là, le chameau, ça fait un espèce de grand mur, là, sur la droite. Toi qui passes par là assez souvent, la poêle à Pessac, tu dois voir où je veux parler. Et on retrouvera Eric, justement, là, sur cette station essence. Bon, à peu près 20 minutes avant l'ouverture de Radio Brock. Donc, autrement dit, Radio Brock ouvre à 8h30. Ouais, il faudrait qu'on y soit aux environs de 8h10, voilà, 8h05, hein. Voilà, ce serait pas mal, quoi. Et après, bon, ben, on se suit à nouveau tous en convoi, avec Eric en plus en push avec nous, pour aller directement sur Radio Brock. Hein. Voilà ce que nous, déjà au niveau local, là, ce qu'on a. Ah, putain, j'ai du mal. Désolé, c'est la fatigue là qui se fait sentir. Tous les matins, debout, 14h30, là, je rame un petit peu ce soir. Plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 8 kilos de matériel pendant 10 heures de temps, c'est bon, merci. Hachi. Alors, ouais, donc on se retrouvera sur cette station essence dès le samedi matin vers les 8h, 8h05, pour prendre ensuite la route à Cestas, oui, voilà, pour Radio Brock. Et pour les autres stations qui vont arriver d'un peu partout, ben bien entendu, ils nous rejoignent directement à Radio Brock, hein, ce sera plus simple. Un seul lieu de rendez-vous, unique, pour ne pas perturber tout le monde. Et pour nous, on rattrape Eric, on le prend au passage et puis on continue notre chemin jusqu'à Radio Brock. Voilà, Chameau, là, pour les news. Ok, pas de soucis, mais ça va être sympa tout ça, ça va être sympa. D'accord, ok. Y'a pas de problème pour moi, y'a pas de problème, moi je suis la cadence, voilà. Alors, je vais poser une question tout à l'heure à Eric, là, je sais pas. Y'a Eric qui parle derrière. Eric, j'ai changé ma pile.
Mike, alors, du coup, je voudrais savoir si tu me reçois bien, si tu me reçois un peu mieux, là. Je suis sur les hauteurs de Flaujac, là, tu me reçois ou pas? Tu m'as reçu, Rémi? Pas du tout, j'ai repassé le micro à Chameau, et vu qu'il est beaucoup plus près, je t'ai deviné derrière, hein, j'ai bien senti que tu parlais derrière, ça ok, mais vu que j'ai fait un retour de micro à Chameau, pour que justement là, pour qu'il prenne les news, du coup là j'ai rien compris quoi. Réponds-lui vite fait, comme ça il sera content. Il a chi trois coups. Désolé, Chameau. Chameau te demande si tu l'entends mieux là maintenant qu'il a changé sa pile. Enfin, pas la sienne, celle du micro. J'avais compris, ouais. Je l'entends, oui, là je l'entends, j'entends ce qu'il dit, c'est pas très fort, mais j'arrive à le sortir un petit peu, oui. Oui, je voulais te dire que tu puisses préciser à tout le monde, tous les OM qui sont à l'écoute, et que même tu peux entendre le rajouter, c'est vrai que j'ai oublié de t'en parler, qu'on aura des porte-badges avec nos indicatifs pour qu'on puisse se reconnaître. D'accord, ok, Eric, pas de problème pour. L'indicatif, je ne sais pas si tu me recevras là-bas. L'indicatif, voilà, pour que tous les OM qui sont là-bas à Radio-Roc, ceux qui vont arriver à l'extérieur, tout ça, qui ne se connaissent pas de visu encore, on puisse se reconnaître et puis dire, tiens, ah, c'était un tel 14 Victor Eco, un tel lundi 33, et ainsi de suite. Parce que sinon, c'est pas évident, voilà. Ok, Rémi? Ouais, ok, affirmatif. Ouais, bah, de toute façon, moi j'aurai mon gilet sur moi, donc je suis exempt de badge. C'est directement incrusté là sur mon gilet. Ouais. Voilà. Ouais, le tien, je m'en occupe là ce week-end, hein, Eric. Hein. Là, je le refais là comme tu m'as demandé là ce week-end, y a pas de problème. Ok, tu marques le Borico. Ok, attends. Voilà, je viens d'écrire. Ok, belle figure. Attends, parce que là, apparemment, on reprend trop vite le micro. Du coup, belle figure n'arrive pas à rentrer dans le QSO, et pourtant, il est là. Belle figure, bon, normalement, tu devrais m'entendre. Oh oui. J'ai 4 watts un peu fort, là. Vas-y, belle figure, retour de micro. Attention, Belfegor, pour l'ensemble du groupe du QSO du canal 27, là, du sud-ouest, en avant. À toi, Belfegor. Ah, pourtant, il est là, hein. En tout cas, il devrait pas t'entendre, tu m'auras chez vous, allez. Bon, d'accord, c'est curieux, je comprends pas là. Et c'est dommage que j'ai pas plus 40 parce que c'est encore plus 40, plus 50 parce que sur un lieu, tu me pousserais les guillemets encore plus quoi. Ok, et Belfegor, je suis désolé, tu m'as dit que ça fait une heure que tu demandes la QRG. Bon, on va pas chipoter sur les secondes. Achi, vas-y, on te repasse le micro, Belfegor, vas-y, prends-le. Vas-y, Belfegor, on te repasse le micro. Bon, je comprends pas, là. Belfegor... On t'entend, il n'y a aucun souci, on t'entend n'importe quoi. Je lis tes messages, on te laisse la place libre. Vas-y, prends le micro. Justement, on aimerait bien t'avoir là en fréquence, tu le sais en plus. Vas-y, Belfegor, prends le micro. Madame, mon copain, à mon avis, il ne doit pas passer, hein. Il ne doit pas passer.
rien ne passe. Voilà, Belfegor, voilà, je lis ce que je viens de te dire, plus personne ne parle pour te laisser parler. Vas-y, Belfegor, au contraire, on aimerait t'avoir avec nous dans le QSO. Là, tu es derrière la porte, vas-y, rentre, on te laisse, à moins que tu sois moustaché de ton côté, précise-le-moi sur le forum. Là, sinon, vas-y, rentre, justement, on te laisse la place. Là, on te fait carrément une allée, là, pour que tu puisses passer. Hachi. Ah, mais apparemment, il s'égosille derrière et on ne lui laisse pas la place. Je comprends pas, quoi. Eric, si tu es connecté sur le forum, tu pourras voir justement qu'apparemment Belfegor, justement, il cherche à rentrer dans le QSO, mais je comprends pas, on ne l'entend pas, quoi. Mais je n'entends pas. Allez, demandez la fréquence, tout à l'heure, la fréquence, il la connaît, hein. Mais là, je ne sais pas. Ok, bon, pendant que Chameau tourne le camion, pour samedi midi 12, voilà, on a deux restaurants là en vue. Daniel, qui est avec nous dans le QSO, donc ira voir le matin, juste avant de nous rejoindre, comment est le premier, c'est-à-dire le plus près. Voilà, il prendra un petit peu la température. Et il viendra nous rejoindre après sur le salon, enfin sur Radio Broc, pour nous disposer ça. Et puis après on verra, soit on ira à celui-là qu'il a trouvé, ou alors on partira sur le flunch qu'il y a par chez lui. Voilà, ça se décidera la dernière seconde. Mais bon, de toute façon, on mourra pas de faim, ça c'est sûr. Retour Eric, retour Eric. Ouais, toujours, il demande la fréquence, 18,27, 275, USB. Ouais, ça y est, je viens de... Oui, mais attends, je suis pas une machine à écrire, moi. Voilà, je viens de l'y marquer. Ok, 273, avec ce jour, là, si vous reçoit encore mieux, parfait, si vous reçoit mieux, le 14, au début, opérateur Florent pour l'ensemble du groupe, pour les QSO nationales du vendredi soir. Le 2713, Belfegor, à ton entrée. Je n'entends plus personne.
Attends, il me répond, on y arrive. Ok, eh bien, pas de soucis. Ok, voilà, je pense que Belfegor, à mon avis, a dû se mélanger les pinceaux dans les fréquences et que il s'est peut-être cru au bon endroit et je sais pas, il nous expliquera ça. Bien. Ah, ça y est, enfin. On te compte quand même parmi nous, Belfegor. Ah bah ça y est. Ok, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu t'étais mélangé les crayons dans les fréquences? Attends, laisse-moi deviner, tu étais passé sur le 27 supérieur, c'est ça peut-être, non? Les plaisirs de la radio et ses soucis de communication. Alors une fois Chameau nous a fait le coup de la thérapie de groupe, et toi des soucis de communication, et ben on est bien barré avec ça sur la CB. Non, je me moque pas, non, t'inquiète pas, Belfegor, je me moque pas du tout. Non, ça y est, là maintenant c'est bon, on t'a avec nous dans le QSO. Donc, pour te faire un petit récap des OM présents, quoique tu as dû les voir quand même, là sur le chat. Hein. Alors, il y a Senteur qui est du côté de Martignas. Bon, ben, Chameau 33 qui est du côté de chez lui, pas loin du département 24, sur une colline. Il nous casse tous les oreilles. Alors on a eu tout à l'heure, si je me souviens bien, ça devrait être Cédric, je vérifierai ça tout à l'heure, enfin bon bref, le département 92 qu'on a pour la troisième fois consécutive, il y a Eric, 14 Victorico 27, il y a 14 Hôtel Alpha Mike 04 qui est avec nous, il y a eu d'autres breaks aussi, mais... qui ont été très furtifs, et bon, ils reviendront peut-être tout à l'heure, à moins que ça soit Kangourou 33, je sais pas, il y a peut-être Philippe aussi derrière, je sais pas encore, on verra au fur et à mesure de la progression du QSO. Voilà, retour Belfegor avec les bonnes 73, 51 à toi de toute l'équipe. Ok, eh ben je vais faire un retour de micro sur Chameau, qui lui est pas très présent dans le QSO, qui fera suivre ensuite, Chameau, qui fera suivre ensuite sur 14 Hôtel Alpha Mike 04, hein, qui est derrière, et puis ça fera le tour. Hein. Vas-y Chameau, reprends le micro. Ok, 2751, Jean-Marie, si je me trompe pas, c'est Jean-Marie, c'est ça, que j'entends bien là, que j'entends très bien. Voilà, on a réussi à l'avoir quand même, Belfegor. Bon, ok. Par contre, là, je me dis l'indicatif, moi, ça ne me dit pas le prénom. Après, je n'ai pas mes crayons sur la main, enfin, j'ai rien pour noter. Donc, rappelle-moi le prénom. C'est Jean-Philippe, c'est ça, Belfegor. Jean-Marie. Non, autant pour moi, c'est Jean-Marie. Ah, ok, Jean-Marie pour Belfegor, mais à qui tu me dis que je donne la suite, là? C'est pour ça, j'en avais pas sûr, là. Ok, d'accord, je le fais. ok, retour du micro sur 14, Hôtel Alpha Mike 04. Oui, c'est ça. Retour du micro sur 14, Hôtel Alpha Mike 04 pour Belfegor qui vient d'arriver dans le QSO, qui lui est sur le département 47. Merci pour le retour micro. Je n'arrive pas à le décoder, j'ai un petit seuil de QRM
n'arrive pas à passer, voilà. En tout cas, j'ai pris une note pour le week-end prochain, pour le samedi prochain qui a un rendez-vous. Je vais essayer de me joindre à vous, de venir vous rejoindre. Ça ne va pas être évident, évident, parce que je suis quand même assez loin, donc je ne pourrai pas y aller le matin de bonne heure. Mais Rémi, je compte sur toi pour donner des informations par la page Facebook, de manière à ce que je puisse me joindre à vous assez facilement, voilà. Donc je retourne le micro sur Eric, là, sur la ville de Bordeaux. Eric, micro de retour pour Hervé, Rémi et l'ensemble du groupe. Ok, pas de problème, voilà. Mais le tout, c'est déjà, est-ce que tu sais où ça se trouve le Radio Rock, hein? Tu sais où c'est tu connais l'adresse? Je crois que j'ai compris, c'était sur 16-15, c'est ça? Voilà, tu regardes facile, tu vas trouver facilement, tu retapes Radio Rock 2016 sur le net, sur Google, et tu vas voir l'adresse. C'est à 16-15 Gazilé, et c'est la salle du Rigoté, comme ça. Mais t'as l'adresse exacte qui est sur le net, hein, voilà, sur Google. Ensuite, nous, on sera déjà, je pense, au moins jusqu'à midi ou 13h, je ne sais pas exactement, on sera là-bas. Et puis, je pense qu'on reviendra peut-être faire un petit tour après. On y sera tous les matins déjà, on sera là. Ok, je vous reprends à savoir les sentiments. J'entendais tout à l'heure Rémi qui disait qu'on était éventuellement à la recherche d'un resto pour se retrouver midi. Il se trouve que on en a deux. Qui tient un resto dans le coin, juste en face du passoir. Voilà, donc si on cherche quelque chose, je pense que ma copine Nathalie peut nous arranger quelque chose de sympa. Ah, ben ça, oui, faudrait que tu. Ah ben justement, par l'intermédiaire de Daniel, 14 ODR 064 QRZ local Senteur, on en a deux en vue. Et justement, Daniel est à ton écoute là derrière, en mobile, en station mobile depuis le QTH de Martignas. Comment tu vois ça, toi, là, pour le samedi matin 12, vers quelle heure, juste par curiosité, hein, vers quelle heure, de toute façon, nous, on sera présents là-bas sur toute la matinée, hein. Voilà, on va pas arrêter de naviguer dans les allées, certains vont faire une razzia complète sur le matériel CB qui peut traîner là-bas, comme on a pu le voir sur le groupe Division 14 ODR, certains ne descendent pas pour rien, il y a...
Oui, retour Belphégor. Voilà, j'ai du mal, je bug là ce soir. Mais retour Belphégor à toi, Paula, pour que tu nous dises à peu près ça, quoi. Ah, j'ai un petit peu de mal à te sortir là, c'était un petit peu noyé là, dans les QRM. Chameau, est-ce que tu peux me faire les QSP s'il te plaît? Ah d'accord, bon, si tu peux répéter, mais ça va, parce que j'avais la tête dans le portable, hein, j'avais la tête dans le 600. Aïe. Belphégor, excuse-moi, est-ce que tu peux mettre un peu plus de jus là, s'il te plaît? J'ai du mal à entendre Belphégor. Ah oui, l'OM du 92, c'est Denis. Voilà, je me suis trompé de prénom. C'est Denis, non pas Cédric. Cédric, c'est encore quelqu'un d'autre. donc voilà, c'est Denis qu'on a eu là tout à l'heure avec nous. Oui, je sais pas, là, sur son dernier passage, là, j'ai eu du mal à le sortir. Là c'était un petit peu... j'ai un petit peu de QRM électrique là de mon côté. Là, ça crépite un petit peu. Son émission ce soir est pas très forte, ce qui fait que là j'ai eu du mal à comprendre. Tant que j'y passe, qu'on se fixe l'heure du rendez-vous pour à la station, ça serait bien tant qu'il y a tout le monde. Je proposerai vers 8h moins le quart ou 8h, dernier carat, rendez-vous de la station. Tu m'as dit qu'on était à 20 minutes de Radio Brock là depuis cette station. Donc ouais, c'est plutôt ouais bon 8h05. Ouais, allez, bon, allez, on va faire un chiffre rond 8h, parce que 8h moins le quart, nous on arrive quand même de beaucoup plus loin, limite Dordogne. On va pas se lever à 5h du matin non plus, hachi. Mais pourquoi pas, je suis impatient. Aïe aïe. Alors attends, Belphégor, est-ce que t'es... non mais là je peine, attends, sur le chat, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, bon d'accord, ok. Belphégor, les 913 sont cotées à toi, tu passes QRT, bonne nuit, à très bientôt sur les ondes. Alors c'est l'opérateur Denis, voilà, Denis. Ok, Denis du 92, es-tu là encore? Es-tu là, Denis du 92, l'opérateur Fond 14D07, tu as 20 de Chameau pour l'ensemble du groupe du QSO du vendredi soir. Alors pour info, 14, apparemment on n'entend plus. Pour info, 14, Oscar Alpha Mike 04, Chameau, opérateur Florent, indicatif 14 ODR 007, est le plus jeune du groupe. Vas-y Chameau, dis-nous ça. Oui, j'ai commencé il y a à peu près un an. On discutait de là avec ma femme cet après-midi là. La
à peu près un an là, que donc du coup j'ai commencé la civile. J'ai dit mais que c'était les réseaux sociaux d'autrefois donc, du coup. Et c'était très sympathique d'ailleurs de passer par la CIMI quoi. Enfin c'était très sympa quoi. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que pour un jeune, enfin je veux pas dire que je suis quand même très jeune, hein, enfin je vais pas monter non plus, mais 27 ans, il y en a qui rêvent plus sur Facebook que sur des CIMistes, enfin que sur la CIMI quoi. Mais finalement moi non, je préfère aller justement sur la CIMI que sur Facebook. Facebook c'est pas trop mon truc quoi. Ouais, j'aime pas trop ça. Après là, ce que je disais sur avec ma femme cet après-midi justement, ce qui est sympa c'est que après on peut mettre la enfin comme là ce qu'on va faire samedi prochain, on peut voir les gens avec qui on va parler quoi. Alors que ça fait un an avec qui je parle à certains, comme Jean-Paul, comme avec Eric, je l'ai vu une fois, mais bon je l'ai pas vu souvent et ça me fera très plaisir de le revoir quoi. On peut se faire des petits trucs comme ça, vraiment sympa, et ça c'est le bonheur de la chimie quoi. Ok, 14 Hôtel Fabac 04, est-ce que tu as reçu Fleuron? Je salue Fleuron, bien évidemment, très fraternellement, mais malheureusement, il est noyé un peu dans les QRM que j'ai. C'est pas beaucoup de QRM, mais le peu que j'ai suffit à m'empêcher de comprendre Fleuron. Si j'ai bien compris, Fleuron est en région parisienne, dans le 92, là, du côté de Nanterre, voilà. Donc, les bonnes 73 à lui, mais désolé, j'arrive pas à comprendre ce qu'il entend bien et qu'il parle, mais c'est brouillé par des QRM trop importantes, désolé. Bon, effectivement, t'as énormément de mal à le recevoir. Non, on a un OM derrière dans le QSO pour la troisième fois consécutive, c'est-à-dire c'est l'opérateur Denis du département 92. Voilà, et c'est Fleuron qui lui est sur le département 33, limite département 24, là qu'il l'a attrapé là tout à l'heure en fréquence. Voilà, Fleuron est l'OM le plus jeune à tout niveau là, du groupe. Ça fait un an là, qu'il est sur la CIBI. Et tu as 27, je crois que c'était 25 que tu avais. C'est 27 ans, c'est ça, Chameau? Ouais, c'est bien ça. Ouais. Alors désolé, je suis un peu surmouillé. On a repris le micro à tous les deux tout à l'heure. Le monsieur là, qui te parle, excuse-moi, j'ai entendu son indicatif. Par contre, il me passe Santiago 5. Et apparemment, moi, il ne m'entend pas. Tant pis, ça arrive. Ben, le monde se sent très à lui, là, si tu prends lui USB, voilà. Ouais, c'est bien 27 ans, c'est bien ça, c'est bien 27 ans, là. Enfin, je fais 27 ans, là, ce mois-ci, là, le 14 mars, voilà. J'ai 26 ans, actuellement, voilà. D'accord, ok. Oui, tu les as pas encore. Ouais, bon, d'accord, il a 26 ans. Donc, tu vois, comme quoi, il est vraiment le plus jeune du groupe. Fleuron, 14, Hôtel Fabac, 04, se trouve à l'extrême nord de la Gironde. Au-dessus de Blaye, c'est du côté de la 130, de la Nationale 137, hein, par là, dans ces, enfin, sans trop détailler, dans ces coins-là, quoi. Je suis vraiment à l'extrême nord, effectivement, tout près du petit village de Mirambeau, qui est assez connu, qui lui est en Charente-Maritime. Voilà, donc ça fait quand même une petite tirée, surtout si tu te trouves à la limite du 24, c'est-à-dire du côté de Sainte-Foy-la-Grande, dans ces coins-là, j'imagine. Donc ça fait quand même une petite balade, genre, en tout cas, ça passe quand même, hein, mais c'est simplement une petite QRM hein, qui vient m'embêter. Ton message, j'en suis désolé, voilà, désolé Florent, sur ton micro, et si tu m'entends bien, c'est que j'ai des conditions qui sont, disons suffisantes. D'accord, ok, reçu de l'opérateur Florent, voilà, reçu, bah, écoutez, vous m'avez la Santiago 5, voilà, 3 voire 5, enfin ça dépend, voilà, bah, je vous souhaite très très bien, là, hein. De retour à toi, Dandy.
Attends, Eric, t'es. Allô, Eric. Oui, je suis là, il n'y a pas de soucis. Ouais. Non. Ouais, c'est vrai que quelquefois j'ai perdu un peu de l'équilibre, mais on arrive dans le temps. Par contre, 14 hôtels, tu passes très bien. Hein. Moi, de mon côté, sud de Bordeaux, c'est bon. Hein. Que t'as compris pour l'histoire de l'adresse de Radio Rock, c'est bon? Ouais, à peu près, mais bon, je te dis, ça se passe pour y aller le matin, je vous ai retrouvé, c'est quand même plus d'une heure de Bordeaux, donc j'y vais dans la journée, je sais pas si c'est bon. J'avais envie de descendre en moto parce qu'il y a aussi un rassemblement de véhicules anciens sur Bordeaux, je sais pas encore comment je vais compiler ça. Ok, mais écoute, tu dis au mieux, il n'y a aucun problème. Comme je vous le disais tout à l'heure, on aura nos badges, nous, avec nos indicatifs, hein, donc. Pour se reconnaître plus facilement, voilà. Allez, mais je sais pas si notre ami, ça y est, j'ai perdu le prénom. Vas-y, Rémi. Daniel. Oui, Daniel, normalement, tu devrais être encore là, je suppose. J'ai pas vu de message de ta part apparaître où que ce soit. Retourne le micro sur Daniel, ça fait un moment, là, il doit s'ennuyer, là, il a dû s'endormir, là, de son côté, là. Retour Daniel, si tu m'entends. La vidéo va s'arrêter là. Nous, on va continuer comme ça pendant encore là un petit moment. Voilà, 213-51 à vous et à demain en fréquence.